Bonsoir et bienvenue à l'Assemblée de la séance ordinaire du 20 avril 2015. Alors ce soir, on espère que nos délibérations soient justes et équitables dans l'intérêt de toute la population de Dolbeau-Mistassini. Alors sur ce, j'aurai besoin d'une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. C'est moi qui fais la proposition, M. le maire, mais j'aurais préféré avoir une prière, mais vu que la sentence était portée par la chose publique, alors je vais me plier à la sentence, mais je trouve ça très regrettable dans mes convictions religieuses. Merci. Merci, M. Savard. Alors, sur la proposition de M. Savard, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain point, qui est une adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 30 mars et de la séance ordinaire extraordinaire, du 30 mars 2015. Alors, extraordinaire et ordinaire. Alors, une proposition? Oui, M. le maire, on a bien reçu les documents, les procès-verbaux. Donc, on ferait la proposition pour ceux du 30 mars et la séance extraordinaire aussi. Je vous remercie, M. Rousseau. Sur la proposition de M. Rousseau, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au troisième point, qui est l'adoption de la liste des dons et subventions. Oui, on a reçu le rapport de la Commission des finances. Donc, je pense que ça va être un des derniers rapports que la Commission des finances fait sur les dons et subventions. On va modifier un petit peu nos façons de fonctionner à l'interne. Donc, on va avoir un comité de corporation et de loisirs là, qui va analyser à l'avenir les différentes demandes de dons et de subventions d'organismes parce qu'on reçoit beaucoup à la ville. Là, c'est une bonne quantité d'argent qui est demandé. Donc, au niveau des demandes, ce qui est demandé, entre autres, la plus importante, puis oui, 2C, des heures de pratique là, qui sont allées aux championnats provinciaux. Donc, pour la location de l'AS, parce que nos arénas étaient fermés. Sinon, d'importance aussi, on a 500 $ à la traversée internationale du lac Saint-Jean, comme on a dit. Le club Aquayo, le nageoton à la piscine, 630 et 55. Et on a aussi là, deux commandites de 300 $ à deux athlètes de notre municipalité, donc Maud Tremblay et Marie Besson, qui nous représentent vraiment très bien au niveau québécois et même international. Sinon, il y a aussi des cartes de 5 à 7 différentes activités pour un montant total de 2 955. Donc, j'en fais proposition, M. le maire. Merci, M. Simard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain point, qui est l'adoption de la liste des comptes à payer et comptes payés pour le mois de mars 2015. Oui, à ce moment-là. Je tiens à mentionner que je me retire de ce point. Même chose pour moi, M. le maire. Alors, il sera noté au procès-verbal que M. Pascal Cloutier ainsi que M. Luc Simard se sont retirés des discussions. Je laisse la parole à M. Rémy Rousseau. Oui, M. le maire, en compagnie de Mme Bergeron, Mme Suzy Gagnon, on a fait la vérification de la liste des comptes à payer pour le mois de mars 2015. Dans les comptes à payer, il y en avait pour 1 085 809,57 $. Et dans les comptes payés, et dans les comptes à payer, 340 289,70 $ pour un total de 1 425 899,27 $. Donc, je recommande l'adoption de la liste des comptes à payer et payés pour le mois de mars 2015 et en certifie ainsi la disponibilité des fonds. Je vous remercie. Sur la proposition de M. Rousseau, votre vote, s'il vous plaît. Merci tout le monde. On poursuit au prochain, qui est l'adoption du règlement numéro 1609-15, décrétant un emprunt et une dépense de 50 000 pour effectuer des travaux de rechargement. La parole à Mme Françoise Bergeron. Demandez si vous me dispensez de lecture de ce règlement et si vous avez bien reçu ce règlement-là depuis au moins 2 jours. Oui. Ça va pour oui, tout le monde? Oui. Oui, c'est un règlement qui fait suite à un avis de motion qu'on a donné le 30 mars 2015. Alors, c'est que consiste à un programme de rechargement de 50 000 qui est emprunté sur une période de 10 ans. Et on certifie que ces fonds-là seront disponibles là, pour réaliser ces travaux-là. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Bergeron, sur cette proposition. Votre vote, s'il vous plaît. Merci tout le monde. On poursuit au prochain point, qui est le rapport d'analyse de soumission C2230-2015, pièces et égouts et aqueducs. Oui, M. le maire, c'est de la fourniture et des pièces et accessoires pour l'année 2015 en ce qui concerne l'aqueduc et les égouts. Donc, on avait le budget disponible, c'était déjà des dépenses qui étaient autorisées. On est allé sur appel d'offres public qui a été publié sur le CAO et dans le journal Le Quotidien. Il y a deux compagnies qui ont déposé une soumission. Le plus bas soumissionnaire, c'est les produits BCM limités pour un montant de 72 190,27 $. Ce montant, il est basé sur des quantités approximatives, OK? Ça va dépendre de qu'est-ce qu'on va acheter ou ça n'empêche pas aussi qu'on va demander d'autres soumissions pour des travaux spéciaux, mais ça va être pour des accessoires principalement.
Donc, je vais proposer le plus bas soumissionnaire, M. le maire, donc à 72 190,27, donc produit BCM, j'en fais la proposition. Alors, sur la proposition de Mme Néron, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Pour ce qui est adopté, le prochain point, alors on va le retirer de l'ordre du jour, soit le point 7, rapport de soumission, qui sera porté à une autre semaine. Le point 7 est retiré. Au point 8, rapport d'analyse de soumission C2220-2015, rapiessage et mécanique. Monsieur Cloutier. Oui, donc il y a une compagnie qui a soumissionné, qui est Asphalte d'Alaire et Saint-Pierre. Donc, nous recommandons le plus beau soumissionnaire conforme, soit Asphalte d'Alaire et Saint-Pierre, pour un montant de 201,21. Ça, c'est le coût par tonne, taxe incluse, pour l'asphalte de type ESG-14, et de 189,71 coût par tonne, taxe incluse, pour celle de type ESG-10. Et ce qui est important de mentionner, c'est que l'article 44 du document de soumission, la Ville peut effectuer une évaluation du rendement au cours de l'exécution du contrat. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Cloutier. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. Et j'en profite aussi pour ajouter un autre point à l'ordre du jour, qui était le point 30, qui va s'appeler Résolution Assurance Parc de Roller. Le point 30, Résolution Assurance Parc de Roller. Et le point 30 va donner le 31, la clôture de la séance. On poursuit au prochain point, qui est le 9e point à l'ordre du jour. C'est un rapport d'analyse de soumission. C'est 2229-2015, chlorure de sodium. C'est du chlorure de calcium, M. le maire. Sodium, calcium, pardon. Donc, le chlorure de sodium, c'est dans au médical. C'est du sel. En fait, c'est pour l'achat de 50 ballots d'une tonne de chlorure de calcium. C'est un produit qu'on utilise là, comme abat poussière dans les différents secteurs, soit résidentiels ou de villégiature. Et j'aimerais ça que les gens écoutent quand même les prix qu'on paie ça, là, l'augmentation qui a eu très, très importante. Donc, on a eu plusieurs compagnies invitées, dont quatre qui ont soumissionné. Et vous mentionnez les prix qu'on octroyait le contrat dans les dernières années. Donc, en 2012, on avait le produit par ballot à 350 $ avant taxe. En 2013, c'est 385 $. 2014, 483 et 2015, 580. Donc, c'est pas le double, là, mais une augmentation absolument incroyable là, de ce type de produit-là. Donc, on a énormément de demandes de citoyens de mettre des produits à bas poussière. Donc, j'aimerais ça que les gens soient conscients aussi qu'on ne peut pas répondre à toutes les demandes compte tenu là, du prix de cette matière-là. Donc, ce qu'on recommande, c'est d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire, soit SEBSI, pour un montant de 666,86 par ballot, taxe incluse, ce qui représente, pour une quantité de 50 ballots, une dépense de 33 342,75. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Simard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain point, le 10e point, qui est un rapport d'analyse de soumission C2236-2015, fourniture de béton. Monsieur le maire, seulement mentionné, vous étiez peut-être trop dans l'eau salée la semaine passée. Ding! Oui, c'est concernant la fourniture de béton. Oui, il y a deux compagnies qui ont été invitées, donc Béton Lac-Saint-Jean Incorporé et Béton Carrière. Les soumissions, il y a une baisse de coûts au mètre cube là, dans ce système-là qui était quand même léger mais intéressant. Donc, on recommande d'octroyer le contrat plus bas soumissionnaire conforme, soit Béton Lac-Saint-Jean incorporé pour un montant de 172,46 mètres cubes, taxes incluses. J'en fais la proposition. Merci, M. Rousseau. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain point, le 11e point, rapport d'analyse de soumission. C'est 2233-2015, papier photocopieur. Oui, M. le maire, pour le papier photocopieur, on est allé sur invitation. Il y a deux compagnies qui ont été invitées. Le plus bas soumissionnaire était la librairie centrale pour un montant de 4 417,51. Un petit commentaire pour les prix du papier. Avant, en 2013, le papier recyclé, on payait 34,25. Maintenant, on paye 35,75. On a subi quand même une hausse. Tandis que le papier non recyclé, qui était à 32,69, il est rendu à 31,70. Il baisse. Fait que je trouve que c'est un petit peu spécial comme fourniture de papier. Est-ce que c'est encore la raison qu'on prend du papier recyclé et non recyclé à cause de nos photocopieurs? Parce que je pense que les nouveaux, ils prennent le papier non recyclé. Les anciens ne le prenaient pas. C'était ça au début. C'est encore ça? Oui, c'est encore ça, Suzy? OK, c'est encore ça. Parce que je sais que les anciens photocopieurs ne prennent pas tout le papier. C'est pour ça, on a encore des anciens, fait qu'on prend encore du papier non recyclé. Ça va venir. Mais ça n'empêche pas que le papier non recyclé, le papier recyclé est plus dispendieux.
Ça fait que c'est toujours été ça aussi. Là. Tout ce papier-là va dépendre de plusieurs départements, des travaux publics, le service incendie, la trésorerie, puis même gestion Arpidon, puis il y a une partie qui va être à la Société de gestion environnementale. Donc, le plus bas soumissionnaire, comme je vous ai mentionné tantôt, qui était la librairie centrale, pour un montant de 4 417,51. Donc, sur ce montant-là, il y a un montant de 3 997 que la Ville va payer. Donc, une facture sera faite à la Société, la SGE, à 420,46 pour combler ce montant-là. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Néron. Sur cette proposition. Votre vote, s'il vous plaît. Merci tout le monde. On poursuit au prochain point qui est un rapport d'analyse de soumission entériné achat d'arbres. M. Cloutier? Oui, donc trois compagnies ont été invitées. Deux ont été jugées conformes. Donc, nous recommandons d'entériner l'octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Renomax, pour un montant de 17 818,02, taxes incluses. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Cloutier. Sur cette proposition, votre vote? Merci. On poursuit au prochain, qui est un avis de motion de règlement ayant pour objet de modifier les règlements numéros 1240-04, 1360-08 et 1388-09 concernant les ententes relatives aux travaux municipaux. Oui, Monsieur le maire, j'en fais le dépôt, alors j'en fais la proposition. Merci. Alors, est-ce qu'on a besoin d'un vote là-dessus? Non. Alors, merci, M. Savard. 14e point, qui est un rapport de service travaux publics. Achat en vertu de la politique 1580-14 de gestion contractuelle et pouvoir de dépenses. La parole à Mme Bergeron. Oui, c'est un rapport qui parvient de M. Denis Boyer, directeur des travaux publics. Alors, c'est la plupart des dépenses qui sont contenues dans ce rapport de service-là, c'est concernant la rénovation de la piscine extérieure. On a des dépenses, par exemple, en provenance du centre de décor expert sol pour un montant de 1540 et 59 concernant de la céramique pour rénover la piscine. Là, c'est entre le passage et le bureau. Également, de la céramique dans le vestiaire piscine extérieure pour un montant de 4 213,15 taxes nettes. Des cartouches d'imprimante, de la part de la quincaillerie Mistassini, 37 feuilles de gyps. Encore pour la piscine extérieure phase 1 pour un montant de 1 270,82. Également, des divisions pour les toilettes et les douches de la piscine extérieure pour un montant de 5 268,28. Alors, ça totalise des dépenses de l'ordre de 14 408,32. Et Mme Suzy Gagnon nous mentionne qu'elle a des fonds pour payer ces dépenses. Alors, j'en fais la proposition. Merci, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci, tout le monde. On poursuit au prochain point, qui est un établissement d'une servitude, KS Desjardins du Nord du Lac-Saint-Jean, autorisation de signature. C'est concernant les travaux d'agrandissement là, qui sont déjà débutés, d'ailleurs, de la caisse Dolbeau-Mistassini, le bureau de Dolbeau. Donc, il y a des travaux qui sont faits et l'alimentation électrique va être de type souterrain. Donc, on doit céder une servitude au niveau de la ruelle à la caisse pour enfouir les fils, pour passer les fils. Et ce qu'on mentionne là-dedans aussi, que tous les frais vont être assumés par la caisse. Et aussi, un autre élément, c'est que s'il y avait un projet d'enfouissement de fil là, autour du mail, là, il y aurait possibilité de regarder là, pour dédommager équitablement tous les propriétaires d'immeubles dans ce secteur-là. Donc, c'est tout simplement pour donner une servitude à la caisse. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Simard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Alors, il va y avoir justement des rénovations du côté du secteur de Dolbeau. On a hâte de voir un peu le résultat. Ça va donner des plus grands bureaux. Alors, on est bien content d'investissement. On poursuit au prochain point, qui est la nomination de M. Paul Morel, responsable des deux arénas, pour les permis d'alcool auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Oui, vous savez, M. le maire, que c'est important, alors que pas tout se fasse conformément et que les autorisations annuelles se fassent et qu'il y ait un bon suivi. Alors, M. Paul Morel, on le nomme responsable de la communauté des deux arénas d'alcool auprès des régies d'alcool, courses et des jeux. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain point, qui est résolution d'appui du groupe Espoir pour une demande de financement au fonds d'accessibilité dans les collectivités. Oui, c'est ça. C'est une demande, une résolution d'appui pour le groupe Espoir qui présente une demande de financement au fonds d'accessibilité dans les collectivités dans le programme Emploi et développement social Canada. Le but de la demande financière, c'est de créer un environnement multisensoriel contrôlé, ainsi appelé salle Snow Zélène, dans le sous-sol de leur bâtiment. Donc, une cinquantaine de clients du groupe Espoir pourront bénéficier de cette forme de thérapie. Donc, le coût du projet du groupe
qui est présenté par le groupe Espoir représente un montant de 9 000 $ donc dont 35 % sera fourni par l'organisme et la balance est demandée au programme. Donc, on recommande d'appuyer cette demande de résolution-là afin qu'ils puissent recevoir leur montant. Vous en faites la proposition? Oui. Merci. Alors, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On poursuit au 18e point et je vais laisser la parole à ce moment-ci à M. Pascal Cloutier. Oui, donc, point très sensible. Considérez que notre maire, M. Richard Hébert, soutient qu'il est important de signifier à Greenpeace les effets négatifs de leur action, considérant que la compagnie forestière est résolue, tout comme toutes les entreprises forestières québécoises doivent respecter des normes gouvernementales et environnementales très strictes et obligatoires, considérant que la ressource forestière est exploitée et gérée dans une perspective de développement durable, considérant que l'aménagement durable des forêts vise à maintenir ou à améliorer la santé à long terme des écosystèmes forestiers, afin d'offrir aux générations d'aujourd'hui et de demain les avantages environnementaux, économiques et sociaux que procurent ces écosystèmes, considérant que le MRNF Québec apporte un soin jaloux à l'évaluation de la performance forestière et environnementale et que l'accès à la matière ligneuse en forêt publique est un privilège accordé à un nombre restreint d'organismes, d'entreprises forestières et d'usines de transformation de bois. Ceux qui jouissent de ce privilège doivent s'acquitter de certaines obligations, notamment celle de s'assurer que la récolte des bois respecte les indicateurs de performance établis par le ministère, considérant que le ministère a mis en place un outil précieux pour la mise en œuvre d'un nouveau régime forestier, le système de gestion environnementale et d'aménagement durable des forêts. Ce système permet de réduire les impacts de ces activités d'aménagement forestier sur l'environnement par la mise en place dans toutes les régions du Québec de mécanismes de gestion rigoureux. Considérant qu'en 2005, le ministère a adopté 11 objectifs de projection, de protection et de mise en valeur des ressources de milieux forestiers qui ont été intégrés au plan généraux d'aménagement forestier de 2008-2013. Chaque unité d'aménagement forestier s'est alors vue assigner des objectifs qui devaient être atteints par la réalisation d'activités d'aménagement forestier. Considérant que la nature de certaines activités forestières peut modifier l'environnement de façon substantielle, le ministère a étudié quelques-unes de ces activités dans le but de vérifier si les modifications avaient des effets néfastes sur l'environnement forestier, en conséquence de quoi il s'est employé à trouver des moyens pour y remédier. Considérant que le gouvernement a adopté une politique de consultation sur les orientations du Québec en matière de gestion et de mise en valeur du milieu forestier, cette politique encadre la tenue de consultations publiques que le ministre des Ressources naturelles tient auprès de la population de Québec. Considérant que la forêt au Québec, particulièrement au lac Saint-Jean et plus particulièrement dans la MRC de Mario-Chapdelaine, contribue largement à l'économie régionale et locale, considérant que dans l'ensemble des régions au Québec, la forêt, c'est le pain et le beurre des citoyens qui l'habitent et que nous en prenons soin, un soin jaloux pour les générations futures. Que pour toutes ces raisons et plusieurs autres, M. le conseiller André Carle, appuyé par le conseiller Régent Major, propose, il est résolu de faire prendre conscience à Greenpeace des impacts de leur action sur les travailleurs, leurs familles et des régions dans leur campagne de boycottage des matières, des produits provenant de la transformation par la compagnie résolue de la matière ligneuse forestière, de trouver d'autres solutions et de pourparler que celle qui a un effet désastreux sur l'économie de plusieurs régions du Québec dans leur litige envers cette compagnie. Donc, M. le maire, évidemment, j'en fais la proposition et j'espère que ça va faire prendre conscience aux gens de tous les effets négatifs que je l'appelle une entreprise, là, mais que ces activistes ont sur nos communautés. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Si vous me permettrez d'ajouter, c'est que cette résolution-là, on l'a vu dans la MRC de la Gatineau, on l'a vu aussi à Girardville. Alors, Dolbeau-Mistassini fait de même. Comme le disait M. Pascal Cloutier, qui propose cette résolution-là, il faut s'occuper de notre affaire parce qu'il y en a d'autres qui sont en train de s'occuper de la nôtre. Puis je pense que on n'a pas les mêmes intérêts les uns et les autres. Alors, on est tout à fait à l'aise avec cette proposition-là. Merci, M. Cloutier. Ça fait plaisir. Le prochain point, à l'ordre du jour, c'est un programme TEC 2014-2018, adoption de la programmation partielle.
Oui, Monsieur le maire, on sait que le gouvernement du Québec et du Canada ont signé une nouvelle entente relativement au transfert aux municipalités du Québec concernant la partie des revenus de la taxe fédérale d'accise sur l'essence et de la contribution du gouvernement du Québec. Ça s'appelle le programme TEC 2014-2018, c'est pour 5 ans. De quelle façon ça nous est attribué le montant? Le calcul qui est fait, c'est que chaque municipalité reçoit 289,39 $ par personne. Donc, comme on est 14 516 habitants ici, citoyens, donc ça donne un montant de 4 200 785 $ sur 5 ans. Nous autres, là, puis il faut quand même, le gouvernement oblige de faire une priorité sur nos projets avec 4 sortes de priorités pour que le projet soit admissible. Donc, nous autres, la ville de Beaumont-Mistassini, la priorité 1 était pour un montant de 171 229. Ça comprend la révision du document des ouvrages d'assainissement, la réfection du poste de pompage Le Mieux, l'usine Sainte-Marie et l'usine Sainte-Marie et Amel, les turbines 10 mètres. Ensuite, pour la priorité 2, c'est seulement pleine intervention qui est le service professionnel qui est de 30 000 $. Et la priorité 3, ben, c'est quand même la réfection des rues des chutes et la rue des trappistes qui est au montant de 3 000 000 $. Donc, les coûts au total qui vont être au montant de 3 201 229 $. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une prévision, comment on a dit ça tantôt, temporaire? Partielle. Excuse, je cherchais le mot. Merci. La résolution va se lire comme suit, nous oblige à faire une résolution pour accepter ça, de considérant que le conseil municipal doit donner suite au rapport de service qui nous a été déposé le 10 avril avec les priorités concernées. Donc, le considérant aussi que la programmation partielle a déjà été faite l'objet d'une rencontre au conseil pour ne prioriser nos projets qui devraient être pour la liste à déposer. Donc, considérant que le projet d'ingénierie demande au conseil municipal d'autoriser la programmation TEC de 2014-2018, comme il a été présenté, donc on fait la proposition de la ville de Beaumont-Mistassini de respecter les modalités qui s'appliquent à ce programme-là pour avoir cette contribution-là. Donc, et que la ville aussi approuve le contenu autorisé et l'envoie au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Et ensuite, nous autres aussi, c'est que si advenant qu'il y a des modifications qui se font sur nos prévisions de nos travaux, ben il faut que ça soit informé. Il s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de toutes les modifications qui pourraient être apportées. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au 20e point, Poste Canada, installation de boîtes postales, demande de moratoire. Oui, c'est conjointement en appui à l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec. La ville de Dolbeau-Mistassini veut étendre cet appui-là auprès de... de concert à l'UMQ, finalement. Alors, on demande au gouvernement du Canada de mettre en place dès maintenant un moratoire sur l'installation des boîtes postales communautaires jusqu'à ce que Poste Canada s'engage à consulter la municipalité avant l'installation de boîtes postales sur son territoire et que les dites installations soit mieux installé et entretenu. Alors, j'en fais la proposition, M. Hébert. Merci, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain, qui est Terrasse d'été 2015, adoption du protocole type, désignation de signataire. Je tiens à mentionner, M. le maire, que je me suis retiré de ces discussions. Très bien, M. Simard. Il sera noté que M. Luc Simard s'est retiré des discussions au procès-verbal. Et je laisse la parole à M. Daniel Savard. Oui, M. le maire, l'an passé, on a fait quand même un essai. On change un petit peu les données cette année pour les terrasses. Il va y avoir encore, on donne la possibilité à nos gens entre la 6e et 7e avenue du 1er juin au 30 septembre d'installer des terrasses avec certaines conditions, sans toutes les numériques, quelques-unes. La terrasse ne devra pas empiéter ce territoire pour permettre la libre circulation des piétons, vous comprendrez bien. Qu'il n'y a aucune construction n'est autorisée pour relier le mur avant du commerce à la terrasse. Sur quelques-unes. Les conditions, comme je vous disais, le plancher de terrain ne pourra avoir une hauteur supérieure de 25 cm. On parle aussi en rapport à la boisson. Il faut que ces gens-là, il faut qu'ils aient des permis de boisson. Comme je disais tout à l'heure au début, l'installation de la terrasse est autorisée du 1er juin au 30 septembre 2015. Il voit ici aussi qu'il y ait des assurances, responsabilité civile en regard d'exploitation de la terrasse. Alors, c'est un peu tout ça, M. le maire. J'en fais la proposition. Merci, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote? Oui, puis aussi autoriser, évidemment, notre greffier adjoint, M. Hébert, à signer le protocole. Parfait, M. Pierre. Merci pour votre appui. On poursuit, si vous voulez bien, au 22e point, qui est un avis de motion au règlement 1603-15, modifiant le règlement de zonage portant numéro 1470-11 et ses amendements concernant diverses zones et dispositions.
Oui, Monsieur le maire, je vais donner l'avis de motion parce qu'on sait que ça va revenir avec un règlement qui va être adopté dans une prochaine rencontre. Ça concerne plusieurs modifications de dispositions de plusieurs règlements qui sont en marche dans le règlement d'urbanisme. J'en fais la proposition. Merci. Sur le prochain, on n'a pas besoin de voter, Pierre. Non, pas de vote. D'accord. Le prochain avis de motion, encore une fois, qui porte le règlement sur le règlement numéro 1606-15, modifiant les règlements de permis et certificats numéro 1472-11 et ses amendements concernant les conditions d'émission d'un permis de construction. On fait la proposition, M. le maire. Merci. Prochain avis de motion, encore une fois, qui porte le règlement 1607-15, modifiant le plan d'urbanisme numéro 1431-10 et ses amendements. Madame Bergeron. J'en fais l'avis de motion, M. Hébert. Merci, Mme Bergeron. Le 25e point, qui est un rapport de service d'analyse de soumission, C2228-2015, vêtements d'été. Oui, M. le maire, c'était fait sur invitation. Pardon, trois compagnies ont été invitées. Alors, nous recommandons l'octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit les variétés LCR, pour un montant de 2 370 $ et 78 $, taxes incluses, pour la fourniture de vêtements pour la période estivale. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup sur cette proposition. Votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain, qui est un rapport d'analyse de soumission C2238-2015, construction d'une nouvelle caserne incendie, service d'arpenteur géomètre. Oui, M. le maire, justement, les services d'arpentage pour la caserne, on est allé par invitation. Il y a deux compagnies qui ont été invitées. Il y en a un qui n'a pas répondu. Il y a seulement un soumissionnaire qui a répondu. Donc, c'est le soumissionnaire Jean-François Gagnon, arpenteur, pour un montant de 2 759 $ et 40 $. Donc, nous allons y aller avec on pourra pas dire le plus bon, on pourra dire le seul soumissionnaire conforme, Jean-François Gagnon, arpenteur géomètre, au montant de 2 759 $ et 40 $. J'en fais la proposition. Merci. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit avec un 27e point qui est un amendement. Demande de permis d'alcool, le centre sportif de la vallée de Mistassini, établissement 322016. Oui, en effet, la demande qu'on avait faite pour le permis d'alcool du centre sportif vallée de Mistassini n'incluait pas et n'avait jamais inclus les vestiaires des joueurs et les vestiaires des arbitres. Pour régulariser la situation, on propose un amendement dans le but de demander le permis qui soit déposé à la régie des alcools pour justement inclure les vestiaires des joueurs et les vestiaires des arbitres avec ce permis d'alcool. Là, ça va permettre aux joueurs de se désaltérer après la course. Et aux arbitres. Aux arbitres aussi. Et vous avant en faites la proposition? Oui, on fait la proposition. Alors, sur la proposition de M. Rousseau, votre vote, s'il vous plaît. Et j'avais envie de dire, vive le sport, et j'avais envie de dire, M. Rousseau, que Vallée de Mistassini, ça devait vous rappeler quelque chose. Absolument. Ça fait partie de mon ancienne vie. Un certain souvenir. Oui. On poursuit, si vous voulez, avec un amendement presque semblable de demande de permis d'alcool, cette fois-ci au complexe sportif de Debeau, l'établissement 268-763. C'est exactement ce que M. Rousseau vient de mentionner, sauf pour le secteur de Debeau, le complexe de Debeau. Donc, la même proposition pour les vestiaires. Pour se désaltérer toujours? Alors, votre proposition, un vote là-dessus? Avant le match. À tout le monde, oui. Est-ce que tout le monde appuie? Je ne sais pas si on va voter pour ça. Alors, sur cette proposition, votre vote? Merci. On va se remettre au hockey, là. Fait que OK. Tu peux voter oui. Le hockey est un sujet très, très passionnant ces jours-ci. Alors, go Habs, go. Oups. 29e point, mandat à Mme Marie-Josée Laroche avec la Sûreté du Québec pour recherche d'absence d'empêchement. C'est curieux, hein? Oui, c'est un mandat pour autoriser la signature de Mme Laroche avec la Sûreté du Québec de la MRC Maria Chapdelaine. C'est un protocole qui concerne les recherches d'absence d'empêchement. Alors, c'est pour faire des recherches au niveau des employés pour savoir s'ils ont des choses, un passé judiciaire à leur dossier pour protéger le public que les employés municipaux doivent desservir. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Alors, c'est votre proposition? Alors, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Je disais à mon ami à côté, c'est-tu pareil comme le pardon de la reine? C'est pas tout à fait la même chose, non? Pas du tout. Merci, Maître Hébert. 30e point, résolution d'assurance parc de roller. Oui, M. le maire, après une vérification, on s'est rendu compte qu'il y avait une résolution qui avait été passée en 2013 qui autorisait les BMX à utiliser les parcs de roller. Donc, c'était
Vraiment pas. C'était peut-être quelque chose qui s'était glissé sans vraiment prendre ça en considération, mais ça jouait sur l'influence de beaucoup, la prime d'assurance de responsabilité pour les parcs. Donc, on propose à la Ville de vérifier ces informations-là et de corriger, d'en faire les modifications, à savoir que les BMX ne sont pas permis pour les parcs de rollers, donc, et de transmettre cette information-là à l'UMQ et à l'assurance, l'assureur qui est le BFL Canada. Puis en même temps, d'autoriser le greffier adjoint et le maire à faire la signature pour en faire la modification. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Alors, le message est... Merci. Et le message est passé. Les gens qui font du BMX, puis vous allez faire ça sur le parc de rouleurs, vous n'êtes pas assuré. Alors, le message est passé. Vous n'avez pas le droit. Interdit. Interdit. Avant de clôturer la séance ou de clore cette assemblée, j'aurais deux points à souligner. Premièrement, je voudrais faire des motions de félicitations à la SGE, Société de gestion environnementale, qui ont donné un souper bénéfice récemment, qui a sûrement dû être un succès. J'étais absent, malheureusement. Madame Néron m'a représenté. Monsieur, je peux vous dire qu'on a mangé. Vous avez bien mangé? Eh, mon Dieu, oui. Tant mieux. C'était sous la présidence d'honneur de M. Lucien Boily, qui est le président de la RMR, conseiller de la Ville d'Alma. M. Lucien Boily, puis c'était le menu était du lapin. Bon. Alors, il a sorti un lapin. On a mangé les oreilles. Service rapide. Et d'ailleurs, en tout cas, on commencera pas. OK, continue. Ouais. Je partais pas. Et j'en avais une bonne, mais je vais regarder. Le prochain point que je voulais souligner, c'est aussi une motion de félicitations, évidemment, au gala Cabaret du succès, qui a eu lieu ce samedi même ici. Et j'en profite pour souligner le bon travail de M. Yannick Saint-Pierre, qui était responsable au niveau de la Chambre de commerce de cet événement. Et j'en profite aussi pour féliciter les 32 récipiendaires dans différentes catégories d'ici et même de la MRC Marie-Chapdelaine. Vous saviez qu'il y a près de 1200 commerces dans la MRC Marie-Chapdelaine, dont plus de la moitié se retrouve ici à Delbault-Mistassini. Alors, on a souligné ça à grand frais, si je peux dire, et c'était une cérémonie particulière. Ça se passait complètement différemment. Il y avait un membre de la colonie qui était chez nous, qui a vu ça. En tout cas, c'était un bel événement. Alors, j'en profite pour saluer l'excellence et le succès. Le dernier point, j'en parlerai pas davantage. On a eu évidemment des problèmes sur la 8e avenue. Je ne sais pas si vous avez constaté là, dans le secteur là, près de la restauration, là, dans ce secteur-là, il y a une canalisation importante qui a brisé. Et on est en collaboration, on est en communication avec le ministère du Transport pour résorber ce problème-là. On peut dire que cette année, c'est un hiver difficile pour les conduites et on en paie le prix à l'heure actuelle. Franchement, cette année, on y a goûté. Alors, ça fait le tour là, des petits points, à moins que quelqu'un aurait d'autres... Oui, Mme Bergeron? On a eu la fête des bénévoles la semaine passée. Ah. Alors, je voulais féliciter les deux conseillers ici qui ont planché sur la réussite de cet événement-là. Alors, puis je remercie également tous les bénévoles qui ont participé à cette rencontre-là. Je vous remercie. Parfait. Merci beaucoup. On va leur envoyer quelque chose. S'il n'y a pas d'autres sujets de la part des membres, j'aurais besoin d'une demande, en fait, pour la clôture d'assurance, j'aurais besoin d'une proposition. Je propose, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Cloutier. Voilà qui clôt la séance officiellement. Et nous voici rendus, à moins que Monsieur Martin ait une question piège, non? Piège. Un jour, il va en sortir toute une... il lâche pas. Et la parole est à nos amis des journalistes, des médias. Un micro. Martin est même indispensable. Le micro est indispensable. Martin est indispensable. On va donner une paye. Oui, c'est bien. Concernant Greenpeace, la résolution que vous venez d'adopter, quel genre de portée vous pensez que ça peut avoir? Bien, je pense pas que ça soit négatif. Je pense que si on est plusieurs à envoyer des résolutions de manière, ça va peut-être faire quelque chose. Vous savez, l'Alliance de forêt boréale aussi fait à peu près la même chose en essayant de promulguer de manière positive la façon dont on gère la forêt ici même. Présentement, Greenpeace, dernièrement, vous vous rappelez, ils s'attaquaient à la norme FSC. Là, ils ont changé de discours. Ils s'attaquent maintenant à la forêt boréale. Et là, moi, je trouve qu'on appelle ça avoir l'air fou un peu parce que tout d'un coup, ils ne parlent plus de la même chose. Là, on est rendu à la forêt boréale. Et la forêt boréale, on parle de plus d'un million de mètres cubes qu'on ne peut plus couper. Parce que c'est dans la forêt boréale qui est une forêt intacte,
mais on en a discuté un peu entre nous, puis la forêt, c'est comme les cheveux, ça repousse. Et est-ce que vous saviez qu'il se perd plus d'arbres en brûlant et infesté par les bébites qu'on coupe de bois? Alors, si on laisse la forêt debout, elle va brûler ou elle va se faire manger par la vermine. Alors, je pense que Greenpeace, vous l'avez vu d'ailleurs dans la conférence, le cercle de presse de mercredi, le 8 avril, moi, j'ai trouvé que M. Mainville, vers la fin, a commencé à manquer d'arguments, surtout à une question posée par un journaliste, à savoir comment se fait-il que de ce côté-ci, vous empêchez Résolu et de l'autre côté, vous permettez Arbec. Et malheureusement, la nouvelle est sortie il n'y a pas longtemps que Arbec, lui aussi, a perdu ses certifications. Alors, ceux qui pensaient que le méchant s'était résolu, il y en a un autre qui est arrivé, il s'appelle un autre méchant, c'est Arbec. Alors, les méchants sont-ils juste d'un bord ou sont... C'est incroyable. Moi, je suis vraiment... On se demande comment ça va finir, toute cette chose-là. Le gouvernement fait des efforts. Les compagnies forestières en font aussi. Les conseils de ville, tout le monde met de la pression. Mais il semblerait que Greenpeace a le droit de tout dire, même des mensonges. Alors, moi, je ne peux pas concevoir une chose semblable. Nous qui cultivons la forêt depuis des générations, qu'on a hérité de nos grands-pères et de nos pères, qu'on est en train de se faire dire « allez couper du bois ailleurs parce qu'ici, vous n'avez plus le droit de couper », c'est tellement gros que c'est comme si on y disait demain matin « vous n'avez plus le droit de cueillir du bleuet au lac Saint-Jean ». On dirait quoi? Ils poussent ici, laissez-nous les ramasser. Bien, les arbres, c'est la même chose. Alors, Greenpeace qui met de la pression sur Writ Aid, je ne sais pas si je le prononce bien, là, mais ça met en danger, ou en tout cas, ça fait peser encore une fois, ou planer l'épée de Damoclès sur la tête de Kenogami ou de Debo Mistassini. Est-ce que vous pensez qu'on va rester les bras croisés à assister à ce spectacle-là? Non, M. Poitvin, on va faire des efforts. Et si cette résolution-là n'est pas grand-chose, on en fera d'autres ou on fera quelque chose. Moi, au nom du conseil, je peux vous dire en affaire qu'on ne laissera pas fermer nos installations ici, qui est notre gagne-pain principal. Résolu qui a s'attaquer aux villages qui sont en train de mourir du cancer en Chine, s'ils veulent sauver quelque chose, qui a le sauver en Chine, qui nous laisse faire nos affaires ici, qui nous laisse tranquille. C'est assez. Tout un laïus. Merci. Alors, bon, monsieur le maire, j'aurais mieux rajouté que j'ai aimé votre comparaison de dire de se faire dire, c'est pareil, on se vient de se faire dire d'enlever la prière, puis c'est ce qu'on fait, malheureusement. Puis ça vient d'ailleurs, bon, on ne se dépend pas plus que ça. Merci. De rien, mais... Alors, pas d'autre chose? Merci tout le monde.